Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. On appelle au dialogue de sourds et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés, vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.